de Colmar, la Sutheim, El Capunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en ligne avec leur tout Bonsoir à tous et bienvenue sur Ligne 68 TV, votre télé régionale de proximité. Cas par cas revient avec ce soir Nicolas Gendaire. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Cas. Vous étiez déjà sur Ligne 68, vous êtes le maire d'Alkirch et puis depuis récemment président du PETR, Pays du Sungo. C'est quoi le Pays du Sungo? C'est les deux Comcom qui sont réunis au niveau du bassin de vie qui est le Sungo. C'est la Comcom Sungo, 64 communes qui regroupent en fait... les 64 communes du canton d'Alkirch, et c'est la Comcom voisine de Sud-Alsace-Largue. Donc en tout, 108 communes et environ 70 000 habitants. Voilà donc sur l'arrondissement d'Alkirch. Hein. Alors vous auriez pu être, comme vous êtes maire de la ville-centre, vous auriez pu être président de la Comcom, vous ne souhaitiez pas l'être? Non, mais il y a beaucoup de bonne volonté un peu partout, et en l'occurrence, mon collègue Gilles Frémiot, qui est maire de Heidwiller, était candidat, était volontaire pour cette mission, et je trouve que c'est bien que ce soit lui qui ait pris cette présidence. Alors pour le grand public, que fait exactement le Pays du Sungo? Alors le Pays du Sungo, il essaye de fédérer toutes les énergies à l'échelle du territoire du Sungo, c'est-à-dire qu'il y a certains projets qui peuvent être portés, je pense notamment au plan de relance et de transition écologique, qu'il est logique que ce soit au niveau du bassin de vie, c'est-à-dire le Sungo, de porter ce projet pour le compte des deux communautés de communes. Et ensuite, il y a des dispositifs qui s'adressent plus spécifiquement à chaque communauté de communes. Mais le PETR chapeaute un petit peu les deux Comcom pour essayer d'optimiser tous les concours que l'on peut recevoir, que ce soit de la région, que ce soit de l'État, que ce soit des départements, etc. Si vous êtes là aussi ce soir, Nicolas, c'est que vous êtes aussi, depuis très récemment, vice-président de la CEA en charge d'un territoire. La CEA, c'est la collectivité européenne d'Alsace. Et donc, vous êtes en charge finalement de ce pays du Sungo aussi, hein, du Sud-Alsace. Précisément, ce territoire, c'est quel bassin de vie alors? Alors, ce territoire qu'on appelle Sud-Alsace à l'échelle de la collectivité européenne d'Alsace rassemble l'agglomération de Saint-Louis, le Sungo, donc le PETR du Sungo, c'est la Comcom Sud-Alsace-Largue et la Comcom Sungo, mais également le pays Tur-d'Oler et Cernay. Cette CEA, c'est quelque chose que vous attendiez vous-même? Alors on l'attendait avec impatience depuis que l'Alsace n'avait plus de région en tant que telle et qu'elle avait été donc incorporée par la loi NOTRe dans la région Grand Est. Et il y avait parmi nos concitoyens un fort désir d'Alsace et une volonté de voir l'Alsace réexister d'un point de vue institutionnel. L'Alsace n'a jamais disparu. C'est pour ça que je ne parle pas de renaissance de l'Alsace. Dans nos cœurs, l'Alsace a toujours vécu, elle continuera à vivre. Mais simplement, d'un point de vue institutionnel, c'est vrai qu'il n'y avait plus d'Alsace en tant que telle. Et la collectivité européenne d'Alsace, c'est l'existence institutionnelle d'une Alsace, donc avec... à la fois le département du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, avec les compétences historiques de ces deux départements, mais également avec des compétences nouvelles, notamment en matière de coopération transfrontalière ou encore en matière de route nationale ou de bilinguisme. Alors, le Barinois Frédéric Bierry est le premier président de cette CEA, et avec une majorité forte, hein, plus de 75 votes d'adhésion. Vous-même, au sein de cette CEA, vous êtes au sein d'un groupe Alors il y a effectivement une majorité forte. Frédéric Bierry a été élu avec 75 voix sur 80, y compris avec les voix d'ailleurs des élus socialistes qui ne sont pas dans la majorité alsacienne. La majorité alsacienne, ça a toujours fonctionné sur deux pieds. Il y a bien sûr une majorité de collègues qui sont élus républicains, LR, et moi-même je suis dans l'autre partie, la partie centriste de la majorité alsacienne, avec un groupe UDI et indépendant, que j'ai l'honneur de présider, et qui rassemble 13 collègues. L'actualité, c'est aussi la campagne de vaccination, avec sa lenteur, ses attaques, les critiques, etc. La CEA, une compétence santé qui est forte. Est-ce que la CEA est acteur de la vaccination? Alors, on sera acteur de cette vaccination, parce que je pense que maintenant, l'État qui tergiverse de trop, à mon avis, aura besoin de toutes les bonnes volontés. Et la CEA peut
être un partenaire de choix dans cette campagne de vaccination, tout comme d'ailleurs les communes. Moi, j'aurai des initiatives dans les prochains jours parce que je considère que ça ne va pas assez vite et qu'il est vraiment urgent qu'on passe à la vitesse supérieure parce qu'on ne peut pas continuer à vivre comme on a vécu depuis le mois de mars dernier. Ce n'est pas possible. Depuis le mois de mars dernier, justement, donc la Covid hein, qui a rattrapé tout le monde finalement. Alors l'an dernier, vous avez été très actif sur le front de la communication contre la Covid. Je vais commencer peut-être par ça. Qu'est-ce qui vous a marqué en 2020 dans cette campagne contre la Covid ? Alors ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a eu des élans de générosité et de bienveillance émanant des citoyens, des associations. Vraiment, on a vu de très très belles choses, de beaux gestes. Il y a eu, on n'en parle plus maintenant, mais l'épisode des masques, souvenez-vous, début mars, c'était un peu l'angoisse. Moi, voire même plus tard, mi-avril, on n'avait toujours pas de masques, alors qu'on commençait à parler du déconfinement. Et donc ça a été cette belle aventure au niveau sungovien, avec Marie Pire, avec Emmanuel Lang. Et ces masques textiles, moi j'ai essayé de fédérer un peu tous les acteurs autour de ces masques et ça a été vraiment une belle épopée, je pense. Période aussi très forte de communication en ce qui vous concerne, puisque vous avez souvent utilisé les réseaux sociaux pour communiquer des messages de la ville et donc du maire. Nos concitoyens avaient besoin d'informations, aussi de contact avec le maire et avaient besoin un peu de bienveillance et puis de savoir où on allait. Et je me suis rendu compte en faisant des petites vidéos sur Facebook que ça intéressait de plus en plus de monde. Et à un moment donné, tous les jours, il y avait une vidéo, ou quasiment. Et tous les jours, il y avait un peu plus de visiteurs sur ces posts Facebook. Et je sais que ça, c'était attendu, quoi. Donc j'ai continué à en faire jusqu'à ce qu'on soit enfin déconfiné à la mi-mai dernier. Alors évidemment, l'activité économique a été fortement impactée par cette Covid. Vous, en tant qu'élu local, maire d'Alkirch, qu'avez-vous fait, que pouvez-vous faire pour soutenir l'économie ? Alors c'est important, on a par exemple organisé la forêt enchantée. Ça s'organise 6 mois à l'avance, au moment où on était encore confinés. Et on annulait beaucoup de choses, notamment malheureusement toutes les animations culturelles et sportives qu'on a dû annuler. La forêt enchantée avec les illuminations de centre-ville, le mapping vidéo sur l'église, je tenais à ce qu'on le fasse parce qu'il fallait redonner un peu de magie, redonner un peu de gaieté aux gens, et redonner aux gens l'envie de se promener au centre-ville et d'aller dans nos commerces. On ne savait pas encore si les commerces allaient pouvoir rouvrir, ça a été le cas fort heureusement. Au mois de décembre, et donc ça a été ce geste-là. Et puis par exemple, on a annulé la fête des personnes âgées, on a remplacé cette invitation par des bons d'achat à utiliser auprès des commerces d'Alkirch. Ces commerces, comment vont-ils aujourd'hui ? Ils souffrent beaucoup, c'est compliqué. Heureusement, ils ont pu ouvrir à un moment important de l'année, mais ça sera difficile encore pour eux. C'est pour ça que toutes les initiatives sont bonnes. Moi, je pense qu'il faut donner un coup de pouce aussi à la digitalisation et la numérisation des petits commerces. On y a travaillé d'ailleurs avec le PETR, avec les Comcom. On a mis des agents à disposition de la Fédération Sungo pour que les petits commerces s'équipent en site internet, qu'ils puissent faire de la vente à distance. Ça a commencé, on a amorcé la pompe, mais moi je crois beaucoup à cela. En France, il n'y a que 30% des petits commerces qui sont numérisés, quand en Allemagne, ils sont à 70%. On a un retard aussi dans ce domaine-là. Il faut vraiment qu'on mette le paquet pour que s'il y a d'autres périodes, on touche du bois, on espère qu'il n'y en aura pas, mais s'il y a d'autres périodes de confinement, les petits commerces puissent continuer leur activité, c'est primordial. Alors beaucoup de choses ont été annulées, notamment donc les marchés de Noël, mais la forêt enchantée, elle a été quasiment maintenue. Elle a été maintenue et d'ailleurs j'ai eu beaucoup de retours positifs des gens qui sont venus de Rixham, de Belfort, de Saint-Louis, visiter la forêt enchantée pour voir ce qu'on avait fait, et notamment cette animation vidéo sur l'église Notre-Dame qui a dû ravir plus d'une personne. Et donc c'est vrai que c'était un bel événement à Alkirch. Et qu'est-ce qui a changé dans cette forêt enchantée ? Alors, je pense que notre directrice artistique s'est emparée de cette manifestation. C'était la troisième année qu'elle le faisait, Anne Zimmermann. Et donc, elle a fait un travail remarquable. Et on a retrouvé cette magie de Noël qu'on avait peut-être à un moment donné un petit peu perdue. Nicolas, j'aurais pu vous souhaiter d'abord une bonne année, une bonne santé surtout. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour 2021 ? Le retour à une vie normale, le retour à des petites joies simples, de se retrouver entre amis, de boire un verre.
de discuter, d'aller au restaurant, d'aller au bar, boire l'apéritif le samedi chez Marinette, par exemple. Merci beaucoup, Nicolas, et bonne continuation dans cette année 2021. Et bonne année à vous également. Merci beaucoup. De Colmar, la Soudaille, Elka Cunigel et Alsace, destination de la semaine, viennent de lancer en Amérique.